take this moment to show everyone, give you guys take a picture. We found an intact E.T. the video game. Yeah. I don't know if you can see, the actual cartridge is in there. It's still in there. I've always thought it was kind of an absurd, ridiculous thing for a company to do. And now that we're here and we've proved it out, what it says to me is here is yet one more absurd, ridiculous thing that Atari did. So in some ways it kind of validates how crazy the company that I worked for was. It's the worst game in gaming history. On a enterré plein de cartouches d'un jeu vidéo dans un désert, tout ça parce qu'il a flop. Et là vous êtes en train de vous dire, attends mais ça n'a rien à voir avec Minecraft ce que tu vas nous raconter. Et la réponse, c'est oui. J'aimerais tenter quelque chose de nouveau avec cette vidéo. Donc si vous voulez bien, regardez-la jusqu'au bout et donnez-moi votre avis en commentaire. Merci. Bon, je vous invite à faire un bond près de 40 ans en arrière. Au tout début des années 80, là où l'époque de l'industrie du jeu vidéo était en plein essor, et où les jeux étaient surtout créés pour les consoles de salon, notamment dans les salles d'arcade, vous savez les endroits où tu mets une pièce et tu peux jouer à un truc de ton choix. Et par console, bah là je parle pas de la PS5 ou de la Nintendo Switch, là je parle en gros de la deuxième génération de consoles de jeux vidéo. Bon, je vous mets un screen à l'écran, mais perso, j'en connais aucune. Et celle qui va nous intéresser, c'est la Atari 2600. Donc à ce moment-là se créait Atari, un éditeur de jeux vidéo. Bon, actuellement c'est français, mais au départ le projet avait été créé aux États-Unis par deux gars qui s'appellent Nolan Bushnell et Ted Dabney. Bref, Atari sort leur premier jeu, notamment un des tout premiers qui parle peut-être à certains, à savoir Pong. Et en parallèle de ça, au cinéma, il y a des réalisateurs qui commencent à cartonner, comme par exemple Steven Spielberg. Bon, je pense qu'aujourd'hui, j'ai pas besoin de le présenter, mais à l'époque, il rencontre ses premiers succès. En 1982, Steve Ross, qui est alors président de Warner Communications, un petit peu le responsable de communication d'Atari, décide d'approcher Spielberg pour obtenir les droits d'adaptation de son film à succès, E.T. The Extraterrestrial. Pour ceux qui connaissent pas, même si c'est quand même un film assez connu, en gros c'est de la science-fiction qui raconte l'histoire d'un garçon qui s'appelle Elliot et qui va trouver de nulle part un extraterrestre abandonné, E.T., et avec lequel il va devenir ami en apprenant à le connaître. Et bref, toute l'histoire tourne autour du fait qu'il essaye de le garder caché et va essayer de renvoyer l'extraterrestre là d'où il vient. Atari a donc l'honneur d'acheter à Spielberg les droits d'adaptation à un montant de près de 25 millions de dollars. Et à l'époque, le film, c'est un gros banger. Dans le monde du cinéma, on ne parle que de ça. Et donc, ben, faire un jeu vidéo de ça, ça paraît logique, et plutôt une bonne idée. Bon, maintenant qu'ils ont acheté les droits, bah faut quelqu'un pour faire le jeu. Surtout qu'Atari, ils ont vraiment hâte qu'ils sortent. Pour ça, revenons 2 ans en arrière, dans la vie d'un certain Howard Scott Warshaw. Bon, on va l'appeler Scott, ce sera plus simple. C'est un ingénieur en informatique qui travaille chez Hewlett-Packard, mais il ne s'y sent pas à sa place puisque son job se résumait à faire des tâches redondantes et qui ne le passionne pas plus que ça. C'est pourquoi, à la fin de l'année 1980, il décide de tenter sa chance pour suivre une voie différente qu'il passionne bien plus, à savoir développer des jeux vidéo. Il postule donc chez Atari et est embauché en janvier 1981. Il commence petit à petit à adapter des jeux vidéo sur la console Atari 2600 qui sont de vrais succès et qui vont permettre à Atari et à Scott de se forger une petite réputation de bons créateurs de jeux vidéo. Et puis il poursuit avec des jeux basés sur des films comme Les Aventuriers de l'Arche Perdue, réalisé par Spielberg, sous le titre Raiders of the Lost Ark, et ça devient aussi une grande réussite. Bref, revenons-en maintenant à notre jeu E.T. the Extraterrestre. Et ben, vous vous doutez à ce moment-là, qui d'autre que Scott, au sein d'Atari, pourrait bien s'en occuper. Sauf qu'il y a un petit détail que j'ai pas mentionné, et qui a son importance, c'est qu'au moment où Scott est nommé pour s'en occuper, la deadline de la fin complète du jeu est dans 5 semaines. Et là, vous vous dites que ce délai, il est beaucoup trop court pour développer un jeu vidéo de qualité. La raison, c'est qu'il fallait que ça sorte avant Noël. Oh, est-ce que c'est bon pour vous ? En fait, si c'est Scott qui s'en occupe, c'est aussi et surtout parce qu'Atari a proposé à tous ses développeurs et qu'aucun d'entre eux n'a accepté de relever ce défi complètement irréaliste. Et même si à l'époque les jeux sont clairement pas aussi aboutis, ça prend du temps, surtout avec les moyens qu'ils ont. A titre indicatif, Scott a pris à chaque fois de nombreux mois pour finir les jeux qu'il avait fait. D'ailleurs, le soir où cette décision a été prise, alors qu'il était tranquillement en train de dîner en famille, Ray Kassar, qui était président d'Atari à ce moment, reçoit un appel de Ross, vous savez le mec qui s'occupe de la communication, pour lui annoncer cet accord important avec Spielberg et pour parler de la date de sortie. Évidemment, Kassar réagit négativement en disant que c'est une idée stupide
et qu'Atari ne pourra jamais concevoir un jeu d'action à partir d'un tel film. Mais bon, tout le monde a confiance en Scott, et bah, Kassar finit par accepter, malgré lui. Il y a même à cette époque Spielberg qui s'interroge quand Scott lui présente le concept original en montrant un premier prototype, en lui demandant « Est-ce que vous pourriez pas faire quelque chose qui ressemble plutôt à Pac-Man ?» Bref, Scott accepte le défi et il est motivé. Malgré le peu de temps pour développer le jeu, il tient à retranscrire les sentiments qu'il a ressentis en regardant le film et offrir quelque chose d'innovant pour l'époque. Il dit même vouloir apporter une touche plus émotionnelle au gameplay. Bref, il travaille d'arrache-pied pour mener à bien ce projet et comme prévu, le jeu sort le 2 décembre 1982 pour les fêtes. Fidèle au film, le jeu consiste à faire fuir E.T. du laboratoire et à rentrer chez lui sur sa planète d'origine. Les joueurs doivent résoudre des énigmes et éviter les agents du gouvernement pour aider E.T. à rentrer chez lui. Au sein d'Atari, Scott est définitivement un héros. Il l'a fait, il a réalisé l'exploit sur lequel personne n'aurait parié, il aurait multiplié sa fréquence de travail par 13 pendant cette période, c'est un réel génie. Et honnêtement, vu les succès des précédents jeux qu'il a fait, ils se disent « Vous savez quoi ? Même pas besoin de faire de tests, histoire de savoir les premières réactions que pourraient avoir des joueurs. » Ils produisent donc 5 millions d'exemplaires et récompensent Scott par un salaire de 200 000 $ et un voyage frais payé à Hawaï. Et en vrai, les premières semaines, normal, vu toute la hype qu'il y avait, il y a forcément pas mal de ventes qui se font. À ce moment-là, le jeu E.T. l'extraterrestre est très attendu et considéré comme un cadeau de Noël populaire. Avant sa sortie, il y a plein de magazines qui prévoient qu'il sera le plus grand coup d'Atari, qui solidifiera sa position de leader sur le marché mondial des jeux vidéo en surpassant la concurrence. Il y a même le New York Times qui déclare que les jeux vidéo basés sur des films populaires, tels que E.T., deviendront une source de revenus croissante pour l'industrie des jeux vidéo. Et puis fin quand même, Spielberg, si ça c'est pas une raison de tester, je sais pas. Mais bon, comment vous dire ? 5 semaines quoi. 5 semaines pour le faire. C'est ça le délai qui a été donné. Donc, faut pas s'étonner, je vais pas non plus vous faire un dessin. Vous savez quoi ? Je crois que limite il y aura quelqu'un d'autre que moi qui saura mieux vous résumer ça. Je précise que cet écran très moche c'est une forêt et que ces trucs là ce sont des trous. Retenez bien ça parce que ce sont les deux seuls trucs que vous verrez du jeu. Bon, on se promène donc à travers les différents écrans du jeu qui sont au nombre incroyable de 4. E.T. perd aussi de l'énergie en marchant et quand le compteur arrive à 0, vous mourrez. Mais heureusement, à ce moment-là, Elliot arrive et puis là, E.T. mange Elliot et visiblement ça vous ressuscite. Oh, merde, c'est pour ça que ce jeu a eu des mauvais retours. On passe son temps à se demander ce qu'il faut faire. C'est quoi ces icônes ? Un œuf ? Un point d'interrogation ? Un sourire ? Un mec qui hurle ? Mais à quoi ça sert ? Est-ce que E.T. se met à insulter tout le monde autour de lui quand il y a cette icône activée ? Bordel, c'est quoi tous ces putains de trous de merde dans ce jeu ? On passe son temps à tomber dans des trous tout le temps sans raison. Je vais à droite de l'écran, je tombe dans un trou, je vais à gauche, je tombe dans un autre trou. Attends, mais comment je suis censé savoir qu'il y a un trou ici juste au changement d'écran, ouais ? Bref, vous avez compris, le jeu est bien sorti, mais c'est un gros échec. Un beau flop, quoi. Le pire, c'est que le président d'Atari, Monsieur Kassar, il l'avait pré-shot. Encore avant que le jeu sorte, il a dit que c'était, je cite, un vrai désastre. Globalement, les joueurs sont forcément déçus par le manque de profondeur du jeu, et en soi, vous vous dites sûrement qu'en vrai, y'a rien. Bon ok, le jeu il est pas ouf, mais c'est pas le seul des jeux qui sont pas super. On en a connu plein d'autres des jeux qui sont pas ouf. Surtout qu'à cette époque, c'est le début, ils ont pas encore les moyens qu'on a aujourd'hui. C'est sûr qu'Atari va s'en remettre, ils ont fait d'autres jeux auparavant qui ont plutôt bien marché. Sauf qu'il y avait un petit problème qu'ils avaient pas anticipé. En fait, à l'époque, ton jeu pour le vendre déjà, il fallait le donner à des magasins de jeux vidéo. Et oui, Amazon, à l'époque, ça existait pas. Bref, de ce que j'ai compris, si les jeux n'étaient pas vendus, il fallait rembourser au magasin et les reprendre. Les semaines passent, et au vu d'un constat assez déplorable pour Atari, Atari aurait stocké des millions de copies non vendues dans un désert du Nouveau-Mexique. Les rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles, ben, ils auraient enterré les copies invendues dans une fosse. Ça se trouve, les coyotes et les serpents dans le désert, ils en ont bouffé plein des jeux E.T. l'extraterrestre. Il y a un journal local de la ville d'Alamogordo, qui est donc proche de ce désert, qui prétend avoir vu entre des dizaines et des vingtaines de remorques qui auraient déchargé des cartouches et des consoles provenant du studio d'Atari, tout ça de la manière la plus discrète possible de nuit. Mais bon, pour l'instant, on n'en sait rien, puisque beaucoup de doutes s'installent quand même,
Ça reste que des suppositions. Il y a même Scott qui revient sur cette affaire et qui intervient médiatiquement en défendant Atari, en disant que c'est vraiment très peu probable puisqu'ils n'iraient pas gaspiller autant de matériel de jeux vidéo. Toujours est-il que les critiques fusent, beaucoup de magazines insistent bien sur la médiocrité du jeu et sur le fait qu'il ne cesse de décevoir les fans du film original. Atari perd beaucoup d'argent, au total on estime le nombre de jeux vendus à près d'1,5 million, en comparaison aux 5 millions initialement fabriqués. En 1983, Atari a déclaré une perte de 536 millions de dollars en raison de ces facteurs et de la mauvaise performance d'autres jeux. En 1984, Atari a été scindé et vendu en raison de ses difficultés financières, ce qui a entraîné la fondation d'Atari Corp. E.T. l'extraterrestre est considéré comme l'un des plus grands échecs financiers du secteur et la mauvaise qualité du jeu est considérée comme responsable de la fin de vie de la console de jeux vidéo Atari 2600. Bon, ok, on a compris, c'est un échec. Mais c'est pas qu'un échec pour Atari. Ce jeu a été tellement détesté que ça a eu un impact négatif sur toute l'industrie du jeu vidéo. Ce qui marquera d'ailleurs un phénomène qu'on appelle le crash du jeu vidéo de 1983. Il y a quand même eu d'autres entreprises qui ont pris le risque, malgré cet échec, de sortir d'autres jeux se basant sur l'histoire d'E.T. l'extraterrestre, sur PC, Game Boy Advance, etc. Et en réalité, c'est seulement près de 15 ans plus tard, avec les consoles Nintendo principalement, comme la Nintendo 64 ou la Game Boy, que le marché du jeu vidéo se remettra de cet événement et commencera réellement à exploser pour avoir une ascension fulgurante avec tous les jeux qu'on connaît aujourd'hui. Heureusement, ça n'a pas non plus trop dégoûté les fans d'E.T., puisqu'encore il y a quelques mois, pour les 40 ans du film, est sorti un jeu de société sur cet univers. Bon, au final, en 2014, on a bien eu confirmation. Une équipe de fouilleurs a effectué une fouille archéologique dans le désert du Nouveau-Mexique et a découvert des milliers de copies de E.T. enterrées, confirmant ainsi les rumeurs du passé. Les boîtes de jeux étaient enfouies à environ 30 cm de profondeur. Cette histoire a suscité beaucoup d'intérêt de la part des médias et des amateurs de jeux vidéo, et elle est devenue une partie intégrante de l'histoire de son industrie. Elle montre à quel point les choses peuvent mal tourner pour un jeu vidéo, même pour un éditeur aussi puissant qu'Atari à l'époque, et comment les erreurs de développement ou de marketing peuvent causer des conséquences financières importantes. Bref, morale de l'histoire, si vous faites des jeux vidéo, ne les faites pas en 5 semaines, et surtout, bah, faites tester le jeu avant, je sais pas, à vos amis, faites quelque chose. En vrai, je trouve ça fou comment les histoires comme ça, enterrer des jeux vidéo dans un désert, elles peuvent avoir lieu, et qu'on puisse arriver à des phénomènes pareils. Dites-moi dans les commentaires si vous étiez au courant de cette histoire, perso, j'ai l'impression que ça nous a un petit peu échappé, à nous qui sommes de la génération où les jeux vidéo sont bien plus sophistiqués et intéressants. La prochaine fois que vous voulez vous plaindre du nouveau Pokémon, bah installez le jeu E.T. l'extraterrestre de 1982 et jouez pendant 20 minutes. Je suis sûr que ça peut faire du bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais, ça change. J'ai essayé de faire en sorte que l'histoire soit racontée d'une manière à ce qu'on ne s'ennuie pas. Mais voilà, dans l'avenir, j'aimerais bien tenter petit à petit de vous publier d'autres vidéos dans le style. Donc faites-moi savoir ce que vous en pensez. Et sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo.